à l'occasion de campagne vaccination que nous avons lancée dès lundi dans Port-au-Prince, qui a fait suite à l'autre côté que nous avons commencé la campagne déjà. Eh bien, rage, c'est une maladie qui est causée par un virus, le plus souvent qui débouchait vers la mort. Une fois que les symptômes ont commencé à manifester, caille bête là et caille l'homme. Maladie, ça a toujours existé en Haïti depuis des siècles. Nous regrettons, malheureusement, pas jamais gagné mesure lutte appropriée qui prend, qui est appliquée systématiquement pour gérer et combattre maladie ça. Puisque approche qui puisse simple, c'est à va arriver contrôler et même faire disparaître mal ça au moyen de yon vaccination, yon campagne de vaccination chaque année qui t'a qu'à arriver à atteindre au moins 70% de chiens et faut campagne ça lui t'a kembé systématiquement pendant au moins 5 ans. Là ça nous arrivé dit que nous gagnons plus ou moins contrôle là. Parce que ce n'est pas seul chien qui bat rage comme vecteur de rage. Mais cependant, sur la planète là, au moins 90% de cas, ce n'est pas chien que rage l'a causé. Et la caillou, c'est environ 95% de cas. Donc 28 septembre, là, c'était jour mondial de la rage. Ministère, nous avons marqué quand même par une petite campagne de vaccination que nous avons fait au niveau de Onaville. Donc, en principe, pour l'exercice qui s'est passé, nous avons 5 cas de rage. 3 cas dans la zone métropolitaine et 2 cas dans le port de paix. D'où qui montre l'importance que nous devons pour bail. Ce n'est pas seulement nous-mêmes comme secteur qui est responsable de contrôle, de régulation de problèmes, mais nous avons santé publique tout, ouais, qui est responsable de contrôle rage-là, surtout à travers les gens qui atteignent de rage. Donc, pour que nous soyons capables d'arriver mettez en œuvre campagne massive de vaccination ça, nous gagnons l'autre côté qui aide nous tous, particulièrement la communauté internationale là, à travers certains projets et aussi certains organismes ONG partenaires pour que nous soyons capables d'entreprendre des campagnes de vaccination. Mais nous avons une perspective pour l'autre type de maladie. Par exemple, nous disposons d'un lot de près de 600 000 doses de vaccins que nous pourrons entreprendre des campagnes contre ça, les charbons bactéridiens. Le plus souvent, les bêtes qui baillent, c'est bovins, bœuf, cabrit, mouton, cheval, bourrique, mulette, etc. Et aussi, nous gagnons contact avec en lien de partenariat avec l'ONG EIFER International qui pourra permettre que nous obtenions près de 150 000 doses de vaccins contre maladie Téchenne. Maladie Téchenne, c'est maladie cochon rincassée. Nous connaissons que le problème ça a gagné dans le monde rural. Là. Et dans 4 caravanes, nous gagnons pour nous commander environ 700 000 doses de vaccins contre maladie Téchenne tout. Et contre peste porcine classique là. Donc nous prévoyons pour nous acheter dose ça et pour nous entreprendre vaccination ça dans 3 départements que actuellement caravane a couvrir. Donc c'était une façon pour nous démontrer nous comment le ministère nous préoccupé par problème rage ça qui ont maladie important puisque nous do lui causer la mort. Je vous dis, nous retrouvons encore
Même Jean, il y a 6 mois, au mois de juin, que nous avons fait une conférence de presse pour te lancer la campagne nationale de vaccination contre l'âge. Mais compte tenu de l'importance du département de l'Ouest, et particulièrement de la région métropolitaine du Port-au-Prince, nous pensons que c'est nécessaire pour qu'on ait notre conférence de presse pour qu'il fasse pour lancer la campagne de vaccination anti-rabique là, dans le niveau et zone ça. C'est une campagne qui est extrêmement importante parce que la maladie rage là, automatiquement, le premier symptôme est déclaré caïmou, que ce soit caïpet, pas gagné traitement pour lui. Depuis, s'il n'a pas manifesté, le déjà connaît, c'est la mort certaine. Étant donné que la stratégie de vaccination que nous avons adoptée là, l'a changé, longtemps la vie qu'on fait, campagne de vaccination, campagne a été faite pendant un temps plus court. Mais avec stratégie que CDC vient nous recommander que vous nous faites, pour nous capables de bien plus de chance, pour nous atteindre l'ouverture vaccinale là, rien que pour Port-au-Prince, nous estimons que son campagne qui a fait sur 2 mois, rien que pour le département de l'Ouest, pas pour Port-au-Prince, pour le département de l'Ouest. Donc ça signifie que pendant toute durée, de temps en temps, on va entrer en compte avec fanatique compas. Mais on dit, si on est capable de couper même moitié, on petit musique compas, nous mettons un petit bagage sur l'âge, il est beau, parce que là, ça, nous protéger tout le monde, nous protéger la population, nous protéger les femmes, nous protéger les soeurs, frères, madame, papa, maman. Donc, son bagage qui est important, et que, et m'a dit non, comme nouveauté qui vient, pendant la campagne, ça, les brigades de vaccination qui sont terrain, eh bien, chaque brigade, ça, il y a un homme au téléphone intelligent. Chaque fois que vous avez vacciné vos chiens, l'inscrit que vous vaccinez chien. Et automatiquement, donner ça à lui-même, donner ça, et nous bénéficier de appui technique CDC, donner ça à Gétan, aller à Atlanta. Et vous faites analyse de l'air. Vous revoyez dans les 24 à 48 heures information en bas nous sous forme de cas qui permettent que nous sommes capables d'arriver à la réalité. Ce qui signifie que les vaccinations faites, et bien en temps réel, nous déjà connaissons une quantité peut-être de chiens qui vaccinent. Et c'est ça que le ministère de l'Agriculture a fait, a essayé de faire pour tout type de vaccination qu'il a prêté en place. Pour permettre que nous fassions des innovations technologiques pour qui permettent que si on monte à chute peut-être nous n'avons pas d'avis et fait travail là, il y a un moyen de contrôle pour que l'équipe soit une équipe de biofèque.